après ce temps de rentrée, d'échange que nous avons eu ce matin avec certains d'entre vous, après ce chaleureux déjeuner musical et chantant avec la CE et ceux qui étaient participants, et puis maintenant ce Seigneur qui nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie. Nous nourrir de sa parole, nous nourrir de son corps, de son sang, et puis être envoyé par lui comme disciple missionnaire, et bien de cette communauté de paroisse du bienheureux Frédéric Ozanam. Pour être des disciples missionnaires, il faut laisser le Seigneur envahir nos vies, envahir nos cœurs. Il faut dérouiller nos genoux, nos articulations. C'est le péché qui nous bloque. Alors reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons le pardon du Seigneur. Ces trois lectures de la Bible. Si vous les avez écoutées,
écoutez attentivement, vous vous dites peut-être, on s'en prend à la figure. Dans la sagesse, de quoi il s'agit? De rumeurs, de mise à l'épreuve. Il est fidèle jusqu'au... Oh, il dit qu'il fait ça. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Le soupçon, la rumeur. Saint-Jacques, il en remet une couche, aussi déjà dimanche dernier. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, mais t'es un menteur. Et Pierre, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'ils font les douze? Jésus est en train de leur enseigner et tout. Ils doivent baratiner dans leur coin, mais qui est le plus grand? Qui est le premier? Qui est le meilleur? Je suis leur dit, je crois qu'on leur a dit, l'Évangile, c'est bien écrit. Hein? Je leur dis, écoutez, arrêtez! Il y a des choses plus importantes que de savoir. Hein? Et puis alors, on a un autre passage de l'Évangile où il y a la mère des fils de Zébédée qui dit, ah, Seigneur, tu pourrais pas t'arranger qu'une fois qu'on sera dans l'éternité, mes fils soient plutôt à ta droite et l'autre à ta gauche? Non, ça ne te regarde pas, dis-moi d'ailleurs, c'est une affaire de nous. Dans nos communautés paroissiales, comment ça se passe? Dans nos diocèses, comment ça se passe? Dans nos familles, comment ça se passe? Dans nos voisinages, nos associations, au boulot, comment ça se passe? Hein? La jalousie, Saint-Jacques vient de le rappeler, vos guerres d'où elles viennent? Que vous êtes jeune, que vous avez comme objectif autre chose que l'essentiel. Alors effectivement, il y a des dimanches, les lectures sont, oh c'est très agréable, acclamons la parole de Dieu, louons le Seigneur Jésus, il y en a d'autres comme aujourd'hui. Et alors là, Jésus, il est très fort. Alors, qu'ils viennent de discuter qui dans les douze était le plus grand, qui fait venir un jeune. C'est la première fois que je célèbre la messe avec un lion dans l'assemblée. N'ayez pas peur, il est très gentil ce lion. Qui est le plus grand? Amenez-moi un enfant. Voilà. C'est à ceux qui ressemblent à cet enfant, qui sont les plus grands au royaume de Dieu. Alors ça m'a amusé parce que je vais vous quitter tout à l'heure pour rejoindre Bourges, mon diocèse d'origine, qui va accueillir demain son nouvel archevêque, Monseigneur Beau. Et en Berry, nous revendiquons que le premier évêque de Bourges, Saint Ursin, est l'enfant de l'Évangile. Oui, on n'y va pas par quatre chemins, que voulez-vous. Hein, il fallait tout de suite, dans les premiers écrits du haut Moyen-Âge, il fallait à tout prix que les évangélisateurs, nous, Saint Clément, on pense que c'est Saint Pierre lui-même qui l'envoie évangéliser cette ville romaine. Hein? Voilà, et bien à gauche, on croit que Saint Ursin, c'est l'enfant que Jésus a appelé pour dire, voilà, si vous ne lui ressemblez pas, vous n'aurez pas, le royaume de Dieu ne vous appartiendra pas. Un enfant. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui avec un certain nombre d'entre vous? On a vécu un partage. Je n'ai pas senti, en vous entendant, quand vous avez présenté vos activités, qu'il y en a qui voulaient être les premiers. Je n'ai pas senti non plus de jalousie en disant, mais c'est quand même mieux que les autres, parce que si, parce que ça, voilà. Hein? Même si ça peut de temps en temps nous effleurer. Hein? Vos prêtres ne sont pas là pour faire les malins, j'espère. Vous ne l'avez pas dit, c'est pas. Non. Prêtre, Philippe, le diacre, moi, pas.
sommes à votre service. À votre service pour la mission. À votre service pour authentifier aussi, au nom du Christ, que ce que nous faisons, ce que nous proposons, ce n'est pas uniquement des idées loufoques personnelles ou pour faire cavalier seul, mais pour être en Église, le peuple de Dieu, la ville du Seigneur. Ce ministère que nous avons comme prêtre, comme évêque, comme diacre, fille du Christ le serviteur, c'est pour le service de la croissance, de l'unité et de la communion de la communauté. Et vous voyez bien que nous avons continuellement à nous poser cette question de la cohérence entre notre vie, comme je le disais ce matin, reprenant saint François de Sales, hein, ne parle de Dieu que si on t'interroge, mais vit de telle manière qu'on t'interroge. Nous avons à veiller les uns les autres pour que nous demeurions dans la fraternité, que nous demeurions dans la communion, que nous nous réjouissions des réussites des uns ou des autres et que nous n'écrasions pas ceux ou celles ou des groupes qui vivent des situations difficiles. Nous avons à veiller les uns avec les autres, à veiller les uns sur les autres, pour nous émerveiller, rendre grâce de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos communautés, dans nos familles, dans les associations, les milieux où nous vivons. Et nous avons aussi, ça a été exprimé, je pense que vous avez employé le mot pour les équipes funérailles, de la compassion. La compassion, par compassion, aujourd'hui en français, c'est devenu un peu, c'est comme le beau mot de charité, c'est devenu un peu, compassion, hein. Bon, ça fait très gâteau, antique. Bon, c'est très beau, c'est porter avec. C'est ça la compassion, porter avec. Porter avec ceux qui connaissent les difficultés, ceux qui, par moments, sont écrasés par le poids du jour, de la chaleur. Vous voyez comment, à travers ces trois lectures des Écritures saintes, le Seigneur vient nous rappeler qu'on n'a pas à adopter certaines attitudes, comme dirait le pape François, mondaines. Hein, il suffit de voir, hélas, aujourd'hui, la manière dont un nombre de nos gouvernants se comporte sur la planète. On peut se demander où est-ce qu'ils vont nous emmener à se réaliser, à faire des guerres, à vendre des armes, à vivre. Voilà, que nos communautés soient de plus en plus des lieux de paix, de fraternité et de compassion. Amen. Dans le cœur des gens de bonne volonté, dans le cœur du monde pris par la violence entre croyants de confessions différentes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. C'est la parole du mal qui guette toujours ceux qui sont en quête de vérité et de justice. Donne-nous la force et le courage de surmonter la jalousie, les rivalités, les convoitises qui empêchent les artisans de paix de construire la fraternité dans notre monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais-nous des instruments de paix. Seigneur, fais-nous des artisans d'amour. Ceux qui sont délaissés ou bafoués dans
afin que les jeunes et les adultes découvrent l'essence du mot Samuel, qu'ils découvrent jour après jour qui est Jésus, qu'ils cherchent à renouer l'amitié avec leur prochain, et que comme mon Seigneur l'a fait aujourd'hui, ils aillent visiter les autres à la lumière de l'Évangile. Seigneur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous les instruments de paix. Seigneur, fais de nous les artisans Le Seigneur soit avec vous.